Frères et sœurs, bonjour et nous retrouvons en ce mardi 31 mars pour ensemble nous continuer l'évangile qui nous commence lié à l'épître dans Saint Jean, chapitre 8, et là nous l'avons versé 21 jusqu'à 30. Jésus peut cause encore avec ban pharisiens, avec ban scribes. Il dit aux autres, moi-même la lumière dans ce monde-là. Ceux qui suivent moi, pas pour marcher dans les ténèbres, mais pour la lumière qui donne la vie. J'ai encore dit une fois, je peux aller, je peux rendre moi, et je peux mourir dans un PC. Là, quand je peux aller, je ne suis pas pour capable de venir. Et là, ben, le juif dit, est-ce qu'il peut aller lui-même, il peut suicider lui, quand il peut dire, là, quand je peux aller, je ne suis pas pour capable de venir. Jésus dit aux autres, je suis une branche, l'origine de la terre, moi, je suis l'origine là-haut. Notre lombri attassé en ça le monde là. Moi, je ne suis pas attassé. À cause de ça même, je peux dire aux autres qu'ils ont pour moi dans leur PC. Parce qu'ils ne peuvent pas croire que moi, je sais qui m'a été. Je peux moi dans leur PC. Je dis à lui, qui t'a été toi pour te juger? Je dis à eux, qui m'a fini aux autres depuis le commencement? Moi, j'ai beaucoup d'affaires encore pour dire aux autres. Et moi, j'ai beaucoup pour condamner. Mais sa haine qui finit en voyant moi là, lui cause la vérité. Et me finit dire dans le monde tout ce qui me finit apprendre, me finit tendre, qu'il finit dire. Je ne peux pas comprendre ce qu'ils ont dit, tu peux cause aux autres, que tu peux cause au papa. À cause de ça même, j'ai dit aux autres, quand je peux mettre garçon d'humanité debout loin de la croix, les là, je peux connaître qui moi, je sais qui m'a été. Je suis venu comme la lumière dans le monde. Je suis venu pour enseigner. Et on ne peut pas faire nier par moi-même. Tout ce que mon papa finance en moi, ça même me finance en eux. Sa haine qui finit en voyant moi là, ni avec moi, ni pas laisse-moi tout seul. Parce que moi-même, c'est la lumière là. Moi, j'y ai d'après tout ce qui fait du plaisir. Quand il finit de dire tout ça là, beaucoup croient dans lui. À nous acclame sa bonne nouvelle là. Dans ça l'évangile ce matin qui fait suite à l'évangile que nous lisions hier, rappelez-vous que Jésus a un regard de compassion, un regard d'amour sur la femme qui peut commettre l'adultère. Donc la suite de ça l'évangile là, Jésus continue sur l'enseignement et là, il y a une parole qu'il peut dire, moi-même la lumière dans ce monde là. Et si quelqu'un est mort sur sa lumière là, il n'est pas pour tomber dans l'obscurité. Parce que Jésus présente lui comme la lumière qui donne la vie. Alors, la lumière nous connaît, c'est ça même qui guide nous ça. Quand dans l'obscurité, nous marchons à tâtons, nous ne connaissons pas où nous pouvons aller. Mais quand il y a la lumière, là, nous sommes capables de marcher en sécurité. Nous sommes capables de marcher parce qu'il nous connaît qui la lumière là, qui empêche nous de tomber. Alors Jésus lui présente lui comme la lumière de ce monde-là. C'est vrai, frères et sœurs, aujourd'hui, le monde entier, nous pas capable de dire une partie, mais le monde entier, comment dire, nous donne ténèbres en ce moment. Comment dire, nous manque la lumière, parce que nous tous, nous avons besoin reste contre nous. Nous tous, comment dire, nous enferme nous. Et me connais, pour beaucoup, pour nous tous, c'est difficile, parce que nous pas habitués à vivre comme ça. Nous ne pouvons pas rester enfermés. Nous sommes capables de vivre un jour, des jours, mais plus les jours peuvent passer, plus nous pouvons sentir, plus dire. Alors, ce matin, Jésus peut venir de nous une parole d'espérance. Il dit à nous, dans sa difficulté que nous pouvons vivre là, dans sa souffrance que nous pouvons passer en ce moment-là, lila comme la lumière donne la vie. Et c'est vrai, vous disiez la dernière fois, vous pouvez redire encore. Moi, j'apprécie beaucoup quand je trouve un dimoun me prend le temps pour lire la parole, me prend le temps pour méditer leurs paroles qui donnent nous chaque jour. Merci tout le monde qui envoie moi un message pour dire moi, sa parole-là peut permettre de réfléchir de la journée. Sa parole-là permet d'arrêter un moment pour relire l'évangile, pour relire la parole. Alors, Jésus, il est même la lumière de ce monde-là. Les mêmes qui viennent de nous un témoignage de vie,
Alors, à nous lever nous les yeux vers lui, à ne pas baisser les bras, à nous faire confiance, parce que la lumière plus fort que ténèbres, la vie plus fort que l'amour. Et si nous croyons dans Jésus, si nous suivons lui, nous pouvons aller dans le bon chemin. Si nous suivons lui, nous sommes capables de sortir dans sa marée noire que nous étions pour nous continuer marche dans la lumière. Alors, bonne route, bonne marche vers la fête de Pâques qui, tout doucement, peut approcher, tout doucement, nous pouvons vivre justement la fête de la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur l'obscurité. Bonne journée à vous tous et bon courage.